Bonjour à tous, ici c'est DarkStan157 qui est ici pour la deuxième partie de ce tutoriel Minecraft. Comment construire les blocs de Minecraft. Alors nous allons tout de suite commencer par les planches de bois de chêne. Vous prenez du bois de chêne, vous le mettez au centre et vous avez 4 planches de bois de chêne. Je rappelle que ceci marche avec les 4 autres types de bois qui existe dans Minecraft. Voilà. Ensuite, vous allez dans le four parce qu'on va fabriquer du verre. Vous faites fondre du sable avec du charbon de bois. Vous attendez quelques petits moments que la flèche se remplisse de blanc et vous allez avoir un bloc de verre. Voilà, le voilà. Ensuite, le bloc de lapis lazuli. Bonne chance pour les trouver. Il vous faut 9 minerais de lapis et vous les disposez partout sur la table de crafting. Vous avez un bloc de lapis. Je rappelle que ceci marche aussi avec l'or. Voilà, un bloc d'or. Et aussi avec le fer. Voilà. Alors, notre prochain bloc sera des dalles en pierre. Vous allez prendre 3 stones. Vous allez les disposer sur le bas de la table de crafting et vous allez avoir 6 dalles de pierre. Ensuite, pour faire des dalles en bois de chêne, vous prenez le bois de chêne et vous faites le même système que la pierre et vous aurez 6 dalles de bois de chêne. Je rappelle que ceci marche avec la cobblestone, les briques, la stone brick et... Bizarre. Bon, passons. La roche du désert, parce qu'il semblerait qu'il y aurait un petit bug. Bon, passons à comment fabriquer un bloc de briques. Vous allez prendre 4 briques et vous allez disposer comme si vous faisiez une table de crafting, mais de l'autre côté. Oui, excusez-moi que le pack de texture a un petit problème, c'est pour ça que les blocs en briques sont aussi déformés. Ensuite, un escalier en bois de chêne. Vous allez prendre 6 planches de chêne. Vous allez les disposer comme ceci. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Surtout pas dans l'autre sens. Sinon, ça ne marche pas. Ensuite, nous allons fabriquer un bloc de diamant. Oui, je sais que vous en avez tous envie, bloc de diamant. Le bloc qui vous fait la péter devant les filles. Parce que vous avez un bloc de diamant et un bloc de diamant. Faut déjà trouver les diamants. Voilà. Donc, c'est le même système pour que les autres minerais, le lapis, l'or et le fer. Vous avez votre bloc de diamant et vous pouvez aller vous la péter devant les filles. Ensuite, un escalier en cobblestone. Vous faites le même système que les escaliers en bois. Voilà. Ceci marche aussi avec les briques. Ceci marche aussi avec la stone brick. Et nous allons passer à quelque chose que j'ai oublié de vous faire partager. Alors, les dalles de bois de sapin. Le même système que le bois d'avant. Vous le faites avec tous les types de bois que vous avez grâce au bois que vous coupez dans les arbres. Voilà. Ensuite, nous allons fabriquer un escalier en roche de sable. Vous allez prendre 6 sandstone et vous allez les placer comme ceci. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Vous avez votre escalier. Ensuite, un bloc d'émeraude. Désolé, mais je suis obligé de le dire. Je n'ai presque jamais, je dis bien jamais depuis que je joue à Minecraft, c'est-à-dire ça va faire bientôt 2 ans que je joue à Minecraft. Je n'ai presque jamais trouvé de minerai d'émeraude. Voilà, je l'ai dit.
Alors, pour faire votre bloc d'émeraude, vous faites le même que les autres minerais, le lapis, l'or, le fer et le diamant. Vous avez votre bloc d'émeraude, mais ça vaut pas moins que le diamant. Parce que le diamant, c'est mieux. Ah oui, nous avons oublié quelques escaliers. L'escalier en bois de sapin. Voilà. L'escalier en bois de bouleau. Voilà. Et l'escalier en bois de baobab. Voilà. Ensuite, comme dernier bloc, nous allons fabriquer une enclume qui sera réparée vos armes et vos armures, à enchanter encore plus vos armures. Et je crois que c'est les seules fonctions de l'enclume. Alors, vous allez prendre 3 blocs de fer et 4 lingots de fer. Vous allez disposer les blocs de fer comme ceci. Voilà. Vous allez disposer les 4 lingots de fer un au milieu et 3 sur la façade du bas. Et vous avez une enclume qui est rose à cause du texture pack. Et je crois que nous avons fini avec les blocs manufacturés, c'est-à-dire les blocs qui sont construits manuellement. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour la troisième partie de ce tutoriel. Et sur ce, je vous dis, aimez ma vidéo ou abonnez-vous à ma chaîne. Et il y a toujours le petit message, tu t'abonnes, je m'abonne. Au revoir à tous.